Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. De mon côté, tout va bien. Et on se lance dans une petite démo aujourd'hui. Une petite démo des familles, une découverte, je dirais même. Une découverte d'un jeu dont je ne connais absolument rien, à part 2-3 infos. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Hop là. Vite, affiche-toi le jeu. C'est bon. Pouf. Non, je savais pas que l'histoire commençait tout de suite. Attendez. Passe-moi ça. Voilà, je voulais pas faire ça en fait. Non. Quittez. Je quitte le jeu, oui. Non, on va relancer, je vous jure. Je vous jure que ça va bien se passer. Non, mais en fait, il y avait une cinématique au début. Je vais essayer de voir si je peux la relancer. Parce que sinon, c'est dommage. Ok, c'est bon. C'est capturé. Ça, déjà, ça fait plaisir. Donc, je vais vous laisser la cinématique. Et après, je vous expliquerai un peu ce que tout est le jeu. Enfin, si elle veut bien se relancer, la cinématique, ce qui n'est pas sûr. Ah, c'est bon. Let's go. Intéressant. intéressant. Voilà, Run the World in Between. Alors, que je reprenne un peu tout dans l'ordre de l'histoire de ce que je voulais raconter, parce que ça s'est déclenché très très vite, hein, les cinématiques de début, directement à l'ouverture. Donc, tout commence par moi, hier soir, crevé à 2h du mat, me perdant sur Twitch, et comme avant, j'étais sur ma chaîne Twitch personnelle, qui n'avait rien pour but, c'était juste une chaîne que j'avais créée pour regarder des trucs et follow des gens, quoi. Et là, j'ai, du coup, maintenant que je suis avec la chaîne là, le PayPu pour. Parce que je stream, j'ai pas le choix de l'avoir à la place sur Google et tout. Et du coup, je suis en mode. Tiens, je vois Encre Mécanique qui stream, et du coup, je suis en mode, oui, je l'ai pas follow, du coup, avec le PayPu, parce qu'il faut que je refasse tout ça. Il faut que je refasse toutes les chaînes que j'étais en train de follow avant. Des gens que j'aime bien regarder ce qu'ils font. Et moi, je suis pas quelqu'un qui aime genre qu'on le remercie d'un follow, de madame machin, ça me stresse, voilà, ça m'angoisse très fort. et là, voilà, je vois juste Encre Mécanique qui joue, je vais follow, puis je vais me casser, voilà, comme ça c'est fait, et hop, on reste caché, quoi. Et là, je vois qu'il remercie les follows, je suis en mode, oh no, je stresse. Et finalement, voilà, il était rapide, hein. il était sacrément vif dans sa façon de remercier, directement paf, il met des chapeaux et tout, l'entertainment c'est total, et il montre un peu tout ce qu'il fait et tout ça, et il parle d'un de ses jeux, enfin d'un jeu qu'ils sont en train de développer avec lui et plusieurs autres personnes, et il me semble, alors je ne connais pas les autres personnes qui ont fait ce jeu, je sais qu'Encre Mécanique en a parlé hier soir, mais... je ne sais pas qui d'autre est sur ce projet. Peut-être que des crédits ou quelque chose me le montreront. Mais voilà. Et du coup, je l'ai mis dans ma wishlist et je me suis dit pourquoi pas le tester directement ce soir. Apparemment, il y a 30, ça dure à peu près 30 minutes la démo. Donc pourquoi pas, let's go. Du coup, c'est un espèce de.
comment dire, de mélange entre Céleste et Meat Boy. Alors pour quelqu'un qui déteste le Dying Retry comme moi, ça va être le jeu, ça va être goldé. Hein. Je vais suer du cul, je vais pleurer tout ce que j'ai, mais ça, on va s'amuser, ça va être fun. Mais comment dire, bon, sans plus tarder, on va y aller. Alors il me semble que la mécanique avant de partir, avant de partir en game, c'est que plus on fait des runs, plus c'est compliqué. Un truc comme ça, genre plus on réussit, plus ça devient difficile après. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai tout expliqué. Oh, bonsoir, Sorgal, comment vas-tu? Comment vas-tu en cette bonne soirée? Alors, ah bah voilà, tous les gens qui ont fait le jeu, voilà, c'est les noms sont affichés, donc tout est bon. Oh bah moi, tout va bien, c'est... moi, c'est la chillance totale, j'ai fini de manger, je lance ce soir, je teste un petit jeu qui a l'air bien sympathique, donc toutes les raisons sont bonnes pour aller bien. Bon, je suis malade, mais ça, ce n'est qu'un détail. On s'en fout. On s'en fout. Bon. Musique. Ah, elle est un peu faible chez moi. Et même si elle a l'air un peu bonne, elle a l'air correctement sur Streamlabs. Donc, en vrai, c'est OK. Bah, je pense que j'ai rien à changer. En vrai, autant partir tout de suite. On va s'amuser. Let's go. Oh, y a des stats, y a des trucs. Je comprends rien, mais on va y aller. On va s'amuser. Attends de lancer le jeu avant de changer le son. Pas de soucis. Pas de soucis, merci du conseil. Alors. Oh, le petit tuto. Oh, mais il y a un oiseau là-bas. Incroyable. Je peux le choper ou pas? Y a pas des dash. Ah, c'est carré pour le dash. Je peux pas aller choper l'oiseau. Dommage. Tant peut-être que... Non, dommage. Tant pis pour l'oiseau. Abandonnons. Oh, les déplacements, ça me rappelle tellement Hollow Knight avec le façon de rebondir sur le mur à l'infini. J'ai pas regardé le tuto, qu'est-ce qu'il fallait faire? Quoi? Attends, on peut dash, saut? J'ai pas compris. Ah, il y a le double dash, d'accord. Non, même pas. Pff. Attends, faut que je comprenne. Donc il est là. Dash. Oula! Alors, c'est comment ça marche? Comment ça marche cette chose? Ah, faut le faire direct. D'accord, je vois. C'est genre instant dash saut. Ok. Je vois. Mais écoutez, let's go. Je sens que je vais me faire défoncer. Je sens que je vais tout échouer, je vais mourir, je vais péter un câble, ça va être génial. Ça va être génial. Oula. Oh, c'est beau. Oh, que c'est beau. Alors, la DA... Elle est incroyable. Ah, je m'attendais vraiment que ce soit genre full pixel art. Pas forcément moche, parce que c'est franchement chacun ses goûts. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas pixel art, mais moi c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. Et les détails, parce que j'avais vu juste une image sur Steam qui m'avait beaucoup intéressé, et franchement pour l'instant, ça déboîte le style, j'aime beaucoup. Mais non, tout va bien se passer, alors je suis pas sûr de ça. Je suis vraiment pas sûr de ça. Le son a l'air légèrement fort à la tension. Juste, voilà, audio. Musique, on va baisser de 2. Voilà. Let's go. Ah, donc on se fait poursuivre. Au secours. Qu'est-ce que je fais? Oh non. Ah ok, donc ça me suit à l'infini, d'accord. Au secours. Comment je suis tombé sur le jeu? Bah en fait, hier je suis passé tranquillement sur le stream de Encre Mécanique, et en fait, vu que on avait créé cette chaîne Twitch avec un ami à moi il y a longtemps, il y a 2 ans, mais comme on avait ni la config ni la connexion, on pouvait pas s'en servir, à notre grand regret, et bah du coup, je dois refollow avec cette chaîne-là toutes les chaînes que je followais avec mon ancienne chaîne Twitch que j'utilisais pas, et bah, tout simplement pour avoir les notifs des gens que j'aime bien regarder. Et voilà, et du coup il a parlé de son jeu un peu dans le chat, et j'étais en mode ben super, pourquoi il m'a proposé de le tester, très sympathique, et je me suis dit pourquoi pas en faire un stream, pour le découvrir tout simplement. Voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai découvert.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, de rien, bien évidemment, de rien. Ouais, attends, j'ai envie de voir un truc, non. Non, je veux pas activer le mode facile. Est-ce que si je quitte, tant pis, c'est... Je voulais voir un truc. J'ai plus ce que je voulais voir. Non, je sais plus ce que je voulais voir, terrible. Bon, c'est pas grave, je m'en souviendrai plus tard. Je m'en souviendrai plus tard. Attends, j'ai envie de revoir un peu tout ce qui est écrit. Non, on verra tout ça à la fin. Oh, je crois que j'ai perdu ma save. Oh non. Non, c'est bon. Allez. Allez, c'est bien rigolo de regarder des trucs. Oh, il y a un petit chien. Oh, c'est tout kawaii. Ah, on augmente une barre. Je me demande ce que ça va faire. Alors, j'ai une question, Sorgal. Si tu me dis merci de le tester, est-ce que tu vas travailler sur ce jeu par pure question comme ça? Parce que je connais. Je l'ai vraiment découvert hier, donc je connais malheureusement pas tous les noms des gens qui sont dessus. Je connais même quasi aucun. Donc, est-ce que de près ou de loin tu as été à propos de ce jeu pour savoir? Je suis curieux, je suis un homme curieux. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je pensais que j'allais directement perdre au dernier niveau, enfin au premier niveau par contre. Mais ça se passe plutôt bien en vrai. Hier. Non. Au secours. J'ai failli mourir là. Oh, intéressant. Je fais partie de la... Donc là, c'était bien la Timon, je savais plus comment ça s'appelait. Et t'es testeur du jeu. T'es un peu un speedrun sur le jeu, OMG. J'ai quelqu'un pourvu de grande qualité ce soir, incroyable. Ah, moi, j'ai jamais fait Meat Boy de ma vie. Céleste, j'avais peur de la difficulté, donc je l'ai jamais acheté. Enfin, je l'ai jamais testé non plus. Mais c'est pas mon style de jeu parce que j'ai peur de m'énerver très vite et du coup d'avoir... d'y jouer 5 minutes et après de le laisser dans les limbes de ma bibliothèque Steam, donc donc je les laisse un peu de côté ces jeux là mais la curiosité m'a eu, j'ai envie de tester. La DA aide beaucoup, moi c'est quelque chose qui me... c'est un de mes must-have pour quand j'ai envie de tester un jeu, c'est la DA. Bien sûr il y a le gameplay et le scénario qui sont mes deux priorités, mais la DA ça va être beaucoup, ça m'attire beaucoup dans les jeux vidéo. Bien évidemment, je ne dirai absolument rien pour te laisser tout découvrir, mais si tu as des questions, n'hésite pas. Ah, merci beaucoup. Pour l'instant, effectivement, je vais découvrir tranquillement, et au moment où je vais mourir en boucle et pleurer des larmes de sang, je vais peut-être demander des astuces. Pour l'instant, ça se passe. Mais honnêtement, la prise en main, pour l'instant, de ce que j'ai joué, genre 5 minutes, mais la prise en main est très très agréable pour l'instant. Mais non! Je l'ai senti! Au moment où je chutais, c'était catastrophique! Comment un live unipop? Bonsoir Dutch, comment ça va? Live unipop, ouais, ça arrive en balle là! C'est gros gameplay! Un jour, MDR! Oh, mais y'a un monsieur! Je me disais bien que j'avais entendu un bruit. Ça va, tu t'en sors? Ah bah tiens, en parlant du loup. Ah, ça va très bien, Dutch. Mais tu peux m'appeler le vieux. Et toi, c'est... Ah, c'est bien joué. Tu ne parles pas ma langue. Je vois bien dans ton regard que si. Je comprends que tu te méfies. Ici, tout paraît hostile. Surtout qu'on croise de moins en moins de monde. Aussi, tu viens de la caverne où le sang coule. Ouais, tu es donc au courant que tu as conclu une sorte de pacte malgré toi. Je suis malade, c'est pas la meilleure idée de faire des voix. Tu verras, on finit par s'y faire. En tout cas, j'espère que tu as de la patience vu la tête de ce labyrinthe. Je peine toujours à voir ce qui se trouve au-delà de la montagne, mais difficile d'avancer avec cette saleté de cabot. Comment ça, mais respecte le petit chat, le petit chien.
Ah oui, peut-être. Ah, moi j'ai vu écrit le vieux, j'essaye de faire ma voix de vieux la plus qualitative possible. Mais je sens que c'est pas ouf. Oh, cette petite boule de poil m'a sauvé alors que j'étais sur le point de flancher. Depuis, on est inséparables. Mais je sens qu'il nous reste un peu de temps avant que l'on se fasse rapatrier, mais j'espère qu'on se reverra. Un dernier conseil pour travailler. Travailler. Oh, je sais pas lire, j'en ai marre. Pour traverser les cascades, va le plus vite possible pour ne pas te faire cramer. Oh, les cascades. Qu'est-ce que c'est comme de la mécanique tout ça. Intéressant. Midbar, intéressant. Ok. Oh non. Voilà, cette BO. Non. Non mais j'aurais dû faire le dernier saut au secours. Let's go. Let's go, let's go. Ninja. Faut que j'arrête de tenter d'aller vite parce que le truc derrière moi il va à la même vitesse que j'allais à genre à une seconde d'intervalle. Donc je sens que si je vais trop vite et que je me baisse, je vais me faire avoir. Curieux de ce que fait cette modded bar. Aïe aïe aïe, d'en avoir deux en plus là. Ah non, au secours, j'ai pas regardé. Faut que je regarde mon écran. Faut que je regarde attentivement mon écran, sinon je vais me faire. Non mais ça c'est par contre c'est catastrophique. Monsieur, laissez-moi vous dire que c'est catastrophique ce que je produis. Oh, le piège à con, je l'ai reconnu là. Ah, plus qu'une run. Plus qu'une run et on remplit la boule, la fameuse boule magique. Au secours! Non! Oh mon dieu! Ouais. Ouais. Ouais, je l'avais senti. Je l'avais senti celle-là. Non, je vais pas bloquer là. J'ai même pas rempli la première boule. Je fais n'importe quoi là. C'est pas le moment de bloquer. Quoi ? À quel moment j'ai bloqué ? À quel moment j'ai bloqué ? Au secours ! Non là c'est moi qui fais le con. Non c'est clairement moi qui fais le con là. Ouf ! Ouf ! Non ! Oh ça va se passer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette boule? Qu'est-ce qu'elle fait ce récipient? Ok. Rien du tout. C'est parfait. Parfait. Il ne fait rien, mais c'est pas grave. On reste motivé. Oh là, si, il y a un truc là. Et qu'est-ce qu'il fait? Curieux. Ah, est-ce que ce serait pas des collectibles par hasard? Genre comme les fraises un peu de Céleste. Je ne sais pas. Je vais quand même essayer de le récupérer, hein. Ça se trouve ça donne un truc cool. Non. Ok. Non, je l'aurais pas. Je l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Terrible. Oh, je suis passé. OMG. Allez, ça passe.
Ok, c'est passé. Nice. Alors c'est quoi ce petit truc que j'ai looté? Donc il y en a 5, il faut remplir j'imagine un nombre de boules qui a le nombre de carrés là. Intéressant. Intéressant. Ah, faut que j'arrête de dash trop tôt, ok. Mon problème c'est que je dash beaucoup trop tôt. Vas-y, je remets Ibi ce soir. Si tu joues avec nous, BG... bien évidemment que je joue avec vous. Là, je teste cette démo pendant une demi-heure, une heure, en fonction de juste un peu de voir qu'est-ce que ça propose et un peu de tester, quoi, pour aussi pour faire la VOD pour YouTube. Et ouais, après, si tu veux, je joue, que ce soit Project Zomboid et Jeff Empire, pas de soucis. Non, j'ai encore dash trop tôt. Ok, je suis pas encore atteint ici. Ouf, c'est passé. Nice. Plus que toi. Mais en parlant du loup, qu'est-ce que ça passe? Ça passe pas du tout. J'ai décidément beaucoup de mal à le passer, ce passage. Hein. Oh là. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse de ce passage. Oh l'angoisse du passage. Ah. Mon dieu. Oh non, je l'ai pas eu. Ça me dégoûte. Ah. Au secours. Oh non. J'ai fait n'importe quoi. Ah, comme d'hab, je panique, hein. Ma grosse erreur, c'est de paniquer. Alors qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, il faut juste y aller chill. Voilà. En fait, faut juste prendre son temps, d'accord. En vrai, ça va. Si on prend notre temps, il n'y a pas de souci. 3. Et du coup, ça me donne quoi? Ça donne une boule. Un souvenir rejaillit. Curieux, curieux. I am curious. Au secours. Oh, ça va, ça va. Maintenant que je sais qu'il faut y aller chill, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus simple. De se presser comme là. Oula. Non, ça va, tout va bien. Plus de stress que de problème. Ah, le petit bout tendu là, le petit bout tendu du HUC, c'est terrible. Ah bah tiens, le revoilà. Revoilà papy. Tiens, tiens, tiens. Je savais bien qu'on finirait par se recroiser. Tu tiens le coup? Ouais, j'ai totalement abandonné la voie. Faut rien lâcher, même si c'est vrai qu'avancer ici est toujours un peu compliqué. J'imagine que tu as croisé tout un tas d'âmes errantes, non? Ces espèces de boules de suif sont en partie d'anciens amis. Oh, sad! Tu peux me croire, la plupart étaient de vraies têtes brûlées. Ah, jeu de mots, boules de suif, j'adore l'humour, c'est ma passion. Et petit à petit, je les ai vus perdre espoir et arrêter de se battre. D'après certains, ce qui nous attend va au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Je ne sais même pas si une personne est déjà arrivée au bout. Ce sera certainement pas moi, ça, c'est sûr. Bref, j'aimerais ne pas te miner le moral, mais j'espère te recroiser en un seul morceau. Pas de soucis, pas de soucis le vieux. Encore un souvenir. Souvenir rejailli. Incroyable, c'est donc un Pokémon tout en haut. Donc le méchant Pokémon, incroyable. Ah, et donc j'obtiens un peu plus de réceptacles, faut pas s'arrêter. Moi j'admirais le décor et j'aurais pas dû. Ok. Ah bah tiens, le souvenir. On vient de passer devant.
Je sais que c'est dangereux de regarder le décor et que c'est ce qui tue sûrement beaucoup de gens, mais j'adore regarder les décors, moi, c'est ma passion. Ah, j'ai beau venir ici à chaque fois, je trouve ça magnifique le coin avec les espèces de sapoirs là. Ah, donc on a pas mal de réceptacles là sur un espèce de piédestal. Intéressant, intéressant. Alors si c'est écrit en japonais là ce qu'il y a sur le truc, je ne saurais jamais les lire de toute ma vie. Mais c'est pas grave, je suis là pour le gaming. Oh mais attends, c'est la X-Cascade dont il parlait tout à l'heure. Hé, au secours. Ah, au secours. Non, je sais pas comment je l'ai passé là. J'avouerai que je ne sais pas du tout comment c'est passé. Let's go. Un souvenir rejaillit. Oh là, c'est la Piston Cup, incroyable. Incroyable. Je me demande si ça rajoute juste des éléments de décor aussi dans le vrai jeu, ça aura vraiment un intérêt dans le scénario, ces souvenirs. Ouais, des petites mouches derrière, je les avais pas vues non plus. Mouche ou moustique, ça dépend. Je suis pas trop concentré dessus. Ouais, en tout cas, on voit les différences sur le décor. Je pense que ça doit être juste des différences de décor, au secours. Ah, il y a un mur invisible. Terrible. Je crois que ça allait pas passer. Non, mais... Oh mon dieu. Mais moi, je veux récolter les trucs, moi. Moi, je suis un complétionniste, il faut pas. C'est dangereux. Ah là là. Bon, allez, on va y arriver, on va y arriver. Pas comme ça. Pas comme ça, Zinedine. Pendu, celui-là. Non, mais... Oh, par pitié. Par pitié. Pitié. Je fais n'importe quoi. Au secours. Faut prendre son temps, en plus, je l'ai dit, hein. Mais je m'impatiente. Pas bien. Ah ! Ah ! Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai passé. C'est le principal. Bah là, je l'ai pas passé, par exemple. Ah, pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Au secours, non, tout va bien. Ok, c'est passé. Ouf ! C'est passé. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Est-ce qu'il y a une limite de souvenirs du coup? Est-ce qu'au bout d'un moment il n'y en a plus? Oh, des palmiers! Oh, c'est kawaii! Bah, je crois que je les ai toutes en plus là. Des orbes, à moins qu'il y en ait une autre qui se rajoute. Alors, celle-là. Je suis toujours stressé alors qu'elle est très simple. Les fameux palmiers. Oh, des pics maintenant! Oh non! Ah, maintenant si ça rajoute des pics, moi j'arrête le jeu, hein. C'est terrible. Hein. C'est terrible, pas les pics. Tout sauf ça. Chose qui traumatise le plus de gens sur le jeu, au niveau des jeux vidéo. Ah, mais je vais bientôt remplir la deuxième boule. Le plaisir. Alors, sorti de son contexte, c'est terrible, hein, bien évidemment, mais tout va bien. Restons frais, restons motivés. J'avais senti qu'il était trop court celui-là. Beaucoup, beaucoup de trop court. Ouais, j'ai stressé, je l'ai pris un peu trop tôt. Je l'ai pris beaucoup trop tôt même. Ouf. C'est passé, incroyable. Deuxième niveau, let's go. Et en plus un nouvel orbe. Un souvenir rejaillit. Très beau, très beau. Un cristal au milieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, pas de... Oh non, de la glace. Non, tout sauf ça. Comment on passe là? OMG, comment on passe? Attends. Ah, c'est tendu, mais je pense que ça passe, hein. Ouais, pas de chance, c'est ça. Ah, mais la glace là.
Ok, non, j'ai dépassé. Ok, ça va. Il faut juste que je prenne... que j'aille un peu plus haut. Tout va bien, c'est bon, c'est passé. Oh, trop court. Non, au secours. Au secours. Non. Merci, merci. Oh non, celui-là qui me stresse toujours beaucoup. Ah non, pourquoi j'ai dash? Je me déteste. Oh non, pas la glace. J'ai vraiment beaucoup de mal sur ce passage de glace. Hein. Faut que je prenne vraiment plus haut et que j'arrête de stresser. Voilà, là, et là on passe. Voilà. Comme ça. Allez, maintenant le tout c'est d'arriver à la fin, ce qui va être un peu différent. Aussi, pourquoi j'essaie de récupérer tous les cristaux? Je me déteste, regardez là, je vais encore mourir. Non, c'est bon. OMG, je suis passé. OMG, je suis passé. OMG, je suis passé. Je suis refait. Je suis un homme heureux. Encore une orbe. Un nouveau souvenir. Eh oui. Allez, c'est reparti. Non. Allez. Quoi? Oh non. Par pitié. Par pitié. Si vous tenez un peu à moi, non. Moi, je vois des choses qui me terrifient, là. C'est une catastrophe. Ouais, ouais. Moi, je... Ah là, ce passage-là, il va me rendre chèvre, hein, je le sens. Est-ce que quelqu'un dit encore rendre chèvre en 2022? Non, non, je pense que c'est... Oh. Est-ce que c'est un bait? Est-ce que c'est un bait pour nouveaux joueurs, ça? De passer au-dessus? Je ne sais pas. De retour. Hey, non. Ah, je sais pas où elle est. T'avais de la chance depuis le début, mais ça commence à changer. Ouais, c'est ça. Au début, j'avais un peu de chance. Il faisait juste d'avoir un peu de réflexe. Et là maintenant, va falloir, bah, du coup, die and retry pour connaître un peu le niveau et réussir à se souvenir. Sauf que moi, comment dire, je suis un peu malchanceux dans la vie. C'est-à-dire que la première fois en général que je fais un truc, ça va, j'ai de la chance, je le fais très bien. Et dès que je le fais de plus en plus, bah, ça devient de plus en plus de la merde. Et du coup, ça va être terrible. Donc je vais enchaîner les défaites sur des trucs que je mourrais jamais avant. Ok, ça par contre, ça va, j'ai retenu. Ah, trop tôt! Ça me rend fou. Allez, ici ça passe. Non, ça passe pas, je le sens, je l'ai senti. Ah, mais en fait, j'ose pas me replacer en haut parce que j'ai peur de me faire toucher le cul par cette espèce de masse de merde qui me suit là, de masse stressante. Non, encore c'est pas passé, mais j'arrive vraiment pas à celui-là, je fais n'importe quoi. Faut que j'arrive à bien me placer, que je prenne mon temps, mais j'ai pas confiance. Là par contre c'était nul. Là par contre c'était nul. Là, allez. Non. Ah ouais, là trop. Beaucoup trop. Après, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de récupérer les cristaux là? Est-ce que j'essaierai pas d'avancer au lieu de faire n'importe quoi là? De grid comme un énorme cochon. Ça passe. Oh mon dieu. Nice. Oh, c'est passé. Let's go. Let's go, let's go. Le casual gamer qui s'en sort, OMG. Un peu d'eau, ça fatigue ces conneries. Étoile d'araignée, au secours! Au secours! Let's gong! Mais oh non, maintenant ça rebondit! Qu'est-ce qu'il a? Quoi? Oh mon dieu! Oh non, non, non! Oh non, je vais arrêter, je veux que ça s'arrête. Comment je passe là? Attends, mais en plus en dessous des robots on peut mourir?
j'ai pas eu le temps de tout voir et de tout analyser, mais en vrai, en dessous des ballons, on peut mourir. Ouais, je pense que ça va être le moment où je vais skipper. Ça va être le moment où je vais skipper les petits trucs là. Oh là 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 là. Et on y retourne. Tout va bien, tant pis pour le truc de l'autre côté, j'ai abandonné tous mes rêves. Ah non, le retour de mon Némésis. Non, c'est bon, je l'ai passé cette fois-ci. Des cerisiers en fleurs dans la glace? Mais ça n'a aucun sens, monsieur. Mais vous êtes fou. Vous voyez, bon, j'ai abandonné les cristaux, je sais sans doute. Mais bon, j'ai l'air d'avoir toutes les boules, il n'y a plus rien qui change, donc en vrai, c'est plus très important, je pense, les cristaux, mais j'ai quand même les prendre par stress et réflexe. Oh non, pas ça. J'ai toujours pas réussi à le passer. Ah, oh, j'ai toujours pas réussi à le passer. Je sais toujours pas comment on le passe. Là, c'est nul. Là, c'est nul, monsieur. Laissez-moi vous dire que je suis nul. Ah non, j'y étais, j'étais à la fin là. Ah, je vais hardstuck comme un mongol partout. Ça me rend fou. Tant pis pour le cristal, c'est plus mon problème. Ok, là je l'ai tous les jours, c'est bon. Ok, le retour du truc insupportable. Non, j'ai dash. Comme le très bien. Comme tu. Bon alors là ça passe. Là, si je fais pas le mongol et que mes yeux ils arrêtent de twerker. Oh, un nouveau truc? Oh non. Ça va, ça devrait être simple. Ouais, ça va. Plus de peur que de mal. Ça par contre, j'ai toutes les raisons d'avoir peur. Oui, c'est ridicule. C'est ridicule, je sais, je récupère plus de cristaux, mais c'est pas mon problème. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors là, j'ai eu le cristal, mais je suis mort comme une merde. OMG! Non! Je l'avais passé! Mais j'ai stressé! Au secours! Au secours! Aïe, aïe, aïe. Faut pas que je stresse. C'est easy en fait. Voilà, un peu moins en fait. Quand je pars de rien comme ça. Non, au secours. OMG, J'étais presque. Bon, j'ai semi compris la mécanique. Parce que je me chie dessus. Surtout ça là. Ça me stresse là. Bah oui, mais si t'avances trop, Michel. Ça va pas si t'avances trop. Avance trop, j'arrive plus à parler. Je vais pas y revenir dessus. Non. Par pitié. Là, j'aurais dû dash par exemple. J'ai pas testé, mais il n'y a pas de double saut, on est d'accord. D'accord qu'il n'y a pas de double saut. Ce qui aurait été bien pratique. Ou alors celui-là. Oh le papy! Papy à la barbe rousse. Encore toi? Tu as vu la stèle et ses orbes de verre, non? Ah, intéressant, on va en prendre plus. Quoi? Tu en as déjà rempli deux? C'est incroyable! Tu as un vrai potentiel finalement. Si tu veux, je peux te dire tout ce que je sais sur cet endroit. Oh, c'est long. De ce que j'ai compris, le sol bouge constamment. Plus tu avanceras et plus de gens auront cédé. Du coup, difficile de trouver un passage entre ces tas de cendres.
La stèle au début du parcours, bien évidemment. Elle est personnelle, reflète ta progression, elle possède 7 orbes. Bon, je crois que je les ai tous. Ce qu'il se passe quand ils sont remplis. Aucune idée. Si ça se trouve, tu vas exploser dans un grand flash de lumière blanche. Mais non, j'ai pas envie de mourir, moi. Je suis trop jeune. Non, je ne sais pas, en fait. Les petites gemmes flottantes, par contre, ça, je sais. Ce sont des fragments de souvenirs perdus. Tu peux les rassembler assez facilement. Ensuite, tu vois là les rochers. Tu vois là où les rochers s'écroulent ? Eh bien, des souvenirs vont rejaillir dans le paysage. Ça sert pas à grand chose finalement, mais personnellement, c'est ce que je préfère. J'avoue que c'est stylé. J'avoue que c'est stylé. Dommage qu'on ait pas beaucoup de temps pour les admirer avec ces démons qui nous poursuivent. Je suis totalement d'accord. Les démons ? Ah, je pensais que tu étais au courant. Pour faire simple, ils sont constitués de ce qu'il y a de pire en nous. C'est terrible ça. Et cet endroit tente de nous y confronter. Tiens, un moment de répit en atteignant cette cascade, mais c'est temporaire. Ouais, surtout avec le Fatal Foot qui tombe sur les démons, oui. Bon, ça m'a fait plaisir de te revoir. Tu m'as donné de la force, je vais essayer de remplir un nouvel orbe. Pas de soucis. Allez, on est reparti. On est reparti. Est-ce qu'on aura un nouveau souvenir ? Bien évidemment. Les souvenirs rejaillent. Oh, c'est beau. Ok. Ah, bientôt 3 orbes. Nice. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Au secours. Ok, vu que j'ai pas vu, j'ai stressé, mais tout va bien. Quoi ? Mais les pics sont trop gros. C'est terrible. Ok, c'est passé. Ouf ! OMG. Ce que je fais là honnêtement. Herc ! Aïe aïe aïe. Ah, je l'avais en fait, il faut bait. Oh non, pas les boing. Ah ! Au secours. Bon, là c'est moi qui ai stressé. C'est moi qui ai abandonné là. J'avouerai que j'ai abandonné. J'avais déjà réussi à le passer, lui. En tout cas, c'est fait. Ah ! Oh, c'est passé, OMG ! OMG, c'est passé. J'ai jamais cru y arriver. End of the demo version. Incroyable ! Merci beaucoup, Sorgal. Ah, en fait, d'accord. Ouais, je me disais bien, en fait, c'était une démo, mais je jouais comme si c'était au vrai jeu. Je me disais, c'était quand qu'il allait avoir la fin. Ah mais c'est déjà wishlist, hein, donc tout va bien au niveau des réseaux sociaux. Incroyable. Bah, il me semble que j'ai déjà Discord et Instagram, mais dans tous les cas, au pire, j'irai vérifier par moi-même. Oh d'accord, juste appuyer sur la manette, ça a marché. Au secours. J'irai plus tard, je me mettrai tout ça, j'irai checker un peu tout ça. Comment on retourne au menu principal ? Vite. Échappe. Ok, c'est bon. Ah, incroyable. Non, en vrai, c'était cool. En vrai, c'était vraiment cool. Je me demande si du coup il y aura. Ça sera vraiment du full gameplay hard, le jeu total, et au final ça sera un gros défi. Ou s'il y aura une trame principale plus poussée. Je ne sais pas, honnêtement, je me demande. En tout cas, la DA est folle, hein. Je vais faire toutes les rétrospectives de ce que j'en ai pensé. Voilà, donc déjà je vais afficher les noms de tout le monde, comme ça tout le monde pourra voir. On dit merci bien sûr au travail. Très bon travail pour l'instant, honnêtement. Hâte de voir ce que le jeu va donner. Attends, les. Les cœurs, c'est des gens qui ont travaillé sur le jeu Sorgal, ou alors c'est juste des gens qui ont, comment dire, qui ont... Bah, t'es dedans, mais je sais... Non, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Je me demande, parce que je vois des noms que je connais, là, il y a Gomar, Copain du Web, tout ça, des très bons streamers que j'aime beaucoup. Donc je me demandais un peu qu'est-ce que... Qui étaient tous ces fabuleuses personnes, hein. Juste des gens qui ont fait de la pub ou qui ont aidé pour la pub. Oh, très cool, très cool. Ah, c'est très cool d'avoir mis d'avoir pensé à ces gens-là et tout le monde. Incroyable. Bon, non, pas quitter, je veux pas quitter le jeu maintenant. Non, je veux pas quitter le jeu. On va laisser ça comme ça. Mais en vrai, pour l'instant, mais je suis passé dans la team run après cette démo. Donc c'est pour ça que je suis là. Ah ok, je vois, d'accord. Donc à la base, t'étais quelqu'un qui du coup a testé la démo et ils ont aimé ce que t'as fait et hop, ils t'ont mis là-dedans. Ah, c'est sympa, c'est vraiment sympa.
Alors, au niveau des points positifs, le gameplay est grave jouissif en vrai. Il n'y a pas beaucoup de contrôle, il y a juste un saut, un dash et un espèce de et une mécanique, donc le dash rapide que j'ai pas beaucoup exploité. Donc soit il y avait des moments exploités que j'ai pas trouvé, ou alors c'est juste faisable sans et que c'est un truc qui y a des speedrunners, mais très sympa. Gros point fort, la DA est folle. La DA est complètement folle, je trouve. Je suis un grand fan du pixel art, mais surtout là, le moment de fin où est-ce que t'es en paix après t'être fait poursuivre par l'espèce de boule insupportable, et le moment aussi du début, quand la cinématique du début, je trouve ça magnifique. L'OST est plutôt sympa, même si elle est assez petite, assez faible dans mes oreilles. En vrai, elle est plutôt sympa. Elle est pas insupportable si tu die en boucle. Donc c'est plutôt bien. Après, est-ce que je verrais un défaut? Parce que mettre que des qualités, ça serait un peu... pour quelqu'un qui n'est même pas payé, ça serait un peu bizarre. Non, mais surtout, en vrai, qu'est-ce que je pourrais mettre comme défaut vraiment à la démo? Le jeu ne lag pas, c'est jouable, j'ai pas de bug, on a des trucs de complétion en plus, on a un peu de scénario en plus dans la démo. Ah si, le défaut, j'ai pas pu atteindre l'oiseau dans le tuto. Ouais, ça c'est un énorme défaut. Ah, je me demande si c'était possible. Non, mais pour l'instant, je ne vois pas de défaut, donc autant que ça continue comme ça, j'ai hâte de voir le jeu total. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Probable que je l'achète. Probable que je l'achète, à voir s'il est à 50€. Oui, bien évidemment que j'attendrai peut-être des réductions. Mais s'il est à 10 balles, 20 balles, voire même 25 balles, pourquoi pas, hein, ça se trouve... Je referai des streams dessus et je kifferai. Peut-être que même j'arriverai à finir le jeu. MDR, nope. c'est sûr. Bon, dans tous les cas, on va dire bisous à YouTube, bien évidemment. J'espère que vous avez adoré cette rediffusion. Si je trouve le moyen de mettre le lien de la démo en description, je le ferai. Alors, bien évidemment, encore une fois que je le dis, on a 145 abonnés. Ça ne sera jamais une OPSP, ne vous inquiétez pas. Mais franchement, le jeu me plaît pour la démo. Donc, je me dis, si jamais vous pouvez juste passer ne serait-ce que 30-40 minutes juste pour chill un peu ou vous entraîner ou juste passer du bon temps devant un bon jeu, pourquoi pas. Et sinon, n'oublie pas le like, l'abonnement, le commenter, tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Et des bisous tout le monde.